Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment réparer un vélo à assistance électrique. En fait, c'est un vélo électrique et il a besoin des pédales pour qu'il puisse s'enclencher. Voilà. Du coup, quand vous avez votre vélo et que vous pédalez, il donne des à-coups. En fait, le moteur il marche, il coupe, il marche, il coupe. Ça vient souvent en fait du système d'aimant. Voilà, le système d'aimant c'est celui-ci. Moi, je l'ai acheté sur AliExpress, je l'ai payé 4 euros. Voilà. Si jamais vous faites cette réparation ici, vous faites réparer votre vélo, ça va vous coûter entre 100 et 200 euros. Voilà. Tout simplement pour une petite pièce, voilà, qui coûte 4 euros. Voilà. Ensuite, vous avez le système électrique. Si jamais votre système électrique il marche, ça sert à rien de le changer. Vous pouvez toujours le garder. Et si jamais vous avez que la platine qui est cassée, ben n'hésitez pas à changer que la platine. Je vais vous montrer moi la platine, la mienne. En fait, toutes les platines, elles se retrouvent toutes pareilles au niveau du pédalier. Moi, la mienne, on la voit, elle est ici. Mais là, c'est la partie qui est cassée. Je ne sais pas si on voit le petit bout là qui est cassé. Je vais tourner. Là, on voit que la platine, elle est complète. Et on va voir la partie qui est cassé, voilà, qui est ici. Le contacteur c'est celui-ci. En fait, le contacteur il est là, c'est le même que ça. C'est celui qui donne le champ magnétique au niveau du moteur. Voilà, du moment comme il y a un aimant, ça donne un champ magnétique et ça vous enclenche le moteur pour que ça puisse avancer. Voilà. Du coup, pour changer cette pièce-là, il faut démonter directement l'axe, la partie pédale. Là, c'est carrément, il faut tout enlever, je pense. Moi, je vais dévisser ici et je vais voir si je peux sortir que ce côté. Normalement, oui, on peut dévisser et sortir que ce côté. Et après, je reprendrai la vidéo pour vous montrer comment le changer. Bon, ben voilà. Du coup, je me suis retourné face au soleil. Voilà la pièce. La casser. Bon, pour sortir, on est obligé de casser. Par contre, pour enlever le plateau, vous allez devoir vous munir d'un burin et un marteau. De bien le rentrer par derrière et taper le burin pour faire, pas faire contre le levier, parce que si vous poussez ou tapez avec le marteau comme ça sort pas. Alors, le mieux, c'est de mettre le burin en travers, de bien le coincer et taper avec le marteau. Et après, bouger, n'hésitez pas à bouger votre plateau, votre pédalier et faire dans plusieurs sens. Voilà, ensuite une fois que vous avez fait ça, vous allez le voir, il va se déclipser tout seul. Ben là, vous enlevez. Et ensuite, vous remettez ben, votre partie aimantée directement à l'emplacement. Elle est en sens. Hein. Voilà, comme on voit, là, il y a le sens des flèches. Du coup, il n'y a plus qu'à mettre et à tout remonter. Voilà, comme on voit ici, les coups de burin qui sont passés derrière. Ça a abîmé un peu, mais bon, après, si vous voulez faire fonctionner votre vélo, vous n'avez pas le choix. Voilà. Mais je pense que enfin, j'espère que cette astuce pourra vous aider quand même à réparer vos vélos. Parce qu'un vélo électrique, si jamais vous l'amenez en réparation, ça coûte assez cher pour le faire réparer. Et sachez que un moteur électrique, c'est pratiquement jamais mort. Voilà, si jamais vous avez un souci, ça peut venir du câble, ça peut venir du système électrique au niveau du câble où ça peut être abîmé ici ou la connexion tout simplement hein, parce que voilà comme il y a la connexion elle peut être rouillée, elle peut avoir pris l'eau parce que la connexion comme elle est là elle est protégée, elle peut avoir pris l'eau et ça ne fonctionne pas. Mais par contre si votre vélo marche par à-coups, n'hésitez pas de regarder votre système. Mais pour acheter moi c'était un 5 aimants, j'ai compté, du coup j'ai acheté le 5 aimants. Mais après voire peut-être passer avec un. Il y a, parce qu'il y avait 5, 9 et 13 aimants. Ou 16, je sais pas. Peut-être si on met plus d'aimants, on aura moins tendance à pédaler. Mais après, moi, j'aime bien pédaler. Que ça. De tourner tout doucement, ça donne toujours l'impression d'être sur un vélo. Parce que si on pédale pas, ben là, on se croirait sur une trottinette électrique. Voilà. Ben là, pédaler avec assistance électrique, ben voilà, on a toujours l'impression d'être sur un vélo. Sans forcer. Et on fait des kilomètres sans se fatiguer. Voilà. Alors je vous montre. Là. Pourtant, je pédale tout doucement.
Là, j'arrête. On voit le moteur qui arrête. Et si je reprends. Voilà, il va s'arrêter. Voilà. Mais, je vous souhaite une très bonne vidéo à tous.